gérant là, c'est bien qui c'est dans ta vie, matin, midi, soir. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps d'aimer pour se lamenter. Il y a aussi un temps pour chanter les chants d'allégresse. Il y a un temps pour tout. Tu ne peux pas matin, midi, soir pleurer à cause d'un géant qui menace ta vie. Regarde, amen. C'est ça le géant qui te menace matin. Toi, tu es en paix. Toi, tu as la joie. Mais ta famille n'est pas en paix. Le matin, quand ils vont t'appeler, Yaya, tante, oncle, regarde ici, on a ceci, il nous manque ceci, tu n'as plus la paix. Parce que dans la famille, il y a un géant. Et ceci ne te touche pas directement, il va toucher les autres. Ce sont eux qui vont t'appeler, te déranger, afin que tu manques la paix. C'est ça le géant dont je parle ce matin. Pour qui a dit amen. Mais tu peux dire, je suis en Europe, je vis bien ma vie. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai l'argent, j'ai ma voiture, j'ai mes enfants, je suis marié. Oui, toi tu es bien. Mais Dieu, il est plutôt l'ennemi, va maintenant susciter dans ta famille un géant afin que tu manques la paix. Bien, si le matin il n'appelle pas, il va appeler à midi. Si pas à midi, il va appeler le soir. S'il manque de t'appeler aujourd'hui, demain ils vont t'appeler. C'est ça le géant qui te fait manquer la paix matin, midi et soir. Mais dans le nom puissant de Jésus, nous aussi, on va changer de stratégie pour éliminer, pour détruire, pour dire à ce géant de s'arrêter car il y a un temps pour tout. Mais à cette saison, tu dois te réjouir. Jouis de la joie, de la paix. Quand tu te réveilles le matin, tu dois être en paix. Quand tu sors, tu es en sécurité. Le soir, quand tu rentres, tu es en paix. Mais quand tu le vois, tu vois le téléphone. Tu regardes le téléphone qui vient de l'Afrique. Tu as peur. Il y a des gens qui n'aiment plus décrocher le téléphone de l'Afrique. Ils ont peur. Pourquoi? Il y a un jeune de la famille qui vous menace. Par ce téléphone, ils vont te demander, envoie l'argent. Fais ceci. On a besoin de ça. Bien-aimé, tant que dans ta famille, tu n'arrives pas à renverser d'autres géants, ils vont te combattre. Mais nous sommes ensemble. Amen. Ne dis pas que non, moi je suis bien. Bien-aimé, tu es bien, tout va bien. Et ta famille, et tes frères, et nous qui sommes des Africains, on ne vit pas pour nous-mêmes, on vit aussi pour les autres. Leur souffrance, c'est notre souffrance. Ce sont des géants qu'on doit renverser. Ou qui a dit amen. Il n'y a pas que le géant physique, il y a aussi le géant spirituel. Ou toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas te souffrir comme ça, t'habituer comme ça. Non, bien-aimé, il faut se révolter. Dis que ce que moi je vis n'est pas normal. Dieu ne t'a pas appelé à vivre c'est la vie que tu vis là. Dieu t'a appelé à des grandes choses, à des hauteurs. Mais pourquoi tu vis la vie que tu vis? Pourquoi tu es dominé? La nuit, tu ne dors pas. Même quand on te voit maintenant, tu es maquillé. Tout semble bien dans ta vie. Mais comme Naaman, qui était un général d'armée, on le voyait bien habillé, Naaman. Il va au travail, il donne des ordres. Mais lui-même, Naaman, sous sa veste, sous sa tenue de général, il avait la lèpre. Personne ne voyait que Naaman, qui donne des ordres à l'armée, qui commande des soldats, avait la lèpre sous sa veste. C'est le cas de beaucoup de personnes. Tu es bien maquillé, tu es bien habillé, tu as des talons, tu as des vestes, tu es en costard, bien coiffé, bien aimé. Mais quelque part, tu pleures. Parce qu'il y a un géant qui te fait manquer la paix matin, midi et soir. Est-ce qu'on est ensemble? Comment vaincre le géant? Le géant nous rend incapable. Le géant nous bloque. Bien-aimé, et l'origine de Goliath, d'où venait Goliath? Bien, Goliath, c'est un produit qui vient d'une ville qu'on appelle Gath. Si on va dans le livre des Nombres, chapitre 13, au verset 28 à 33, là on parle des géants enfants d'Anak, ou qui a dit amen. Et dans Josué 11, 21, 22, Dieu va dire à Josué, tu vas combattre. Et là, tu vas combattre.
ne laisse pas les Philistins en vie. Tu m'as tué. Tu m'as éliminé. Tous les Philistins. Mais Josué avait laissé une tribu. La tribu que Josué avait laissée, c'est de cette tribu-là. C'est de là que vient Goliath. Yaya, ce que tu négliges aujourd'hui, demain, sera pour toi un blocage, une barrière, un obstacle. Dieu a dit, tu vas éliminer toutes les tribus que tu verras devant toi. Ne laisse pas les tribus. Mais il va laisser une tribu à Gaza. Il va laisser les Gath. Et c'est de là que vient Goliath. D'ailleurs, si dans ta vie tu remarques des situations qui t'enlèvent la paix, enfant de Dieu, lève-toi et combat. Je dis, lève-toi et combat. N'attends pas. On a toujours dit, une petite allumette peut embraser toute une forêt. Tu dis, mais ce n'est qu'une allumette. La forêt est tellement grande. Yaya. Et si tu mets ce feu-là, petit à petit, le feu va s'étendre. Le feu va s'élargir et ça peut embraser toute une ville, toute une forêt à cause d'une simple négligence. La négligence de Josué a fait que la tribu que lui avait laissée, c'est de là que vient Goliath. Tu vois dans ta vie des blocages à répétition. Des choses se répètent. Ou quand tu veux entrer dans une certaine joie, c'est le moment qui chasse l'ennemi pour t'annoncer des mauvaises nouvelles. Et c'est toujours comme ça. Quand tu veux faire des choses bonnes, quand tu veux évoluer, quand tu veux prospérer chaque fois, mais tu vois qu'il y a des choses qui t'arrivent pour te bloquer, pour te casser, dis-toi que y a un géant qui est derrière ça. Je dois m'élever maintenant, je n'attendrai pas. Oh, qui a dit amen. Amen. Tu vis un chômage à répétition et tu n'es pas le seul dans la famille. Des mariages compliqués, tu n'es pas le seul dans la famille. L'esprit de mort dans la famille, mais tu vois et tu vis ça. Quand les fondements sont renversés, que fait le juste? Le juste s'élève. Le juste prie. Le juste jeûne. Le juste tient la brèche et invoque la puissance du nom de Jésus-Christ. Oh, qui a dit amen. Amen. Ce que tu vas négliger aujourd'hui, demain, ça peut te créer des problèmes. Voilà pourquoi Josué avait négligé Gaza, avait négligé une tribu que lui sentait petite, mais c'est la même tribu, c'est de là que sort le géant Goliath. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'esprit qu'on a reçu n'est pas un esprit de peur, n'est pas un esprit de timidité. Regarde Israël, c'est tout un peuple. Ils sont habitués à la guerre. Des hommes et des femmes de guerre. Mais devant un géant, ils tremblent. Devant un géant, ils ont peur. Devant un géant, ils reculent. Devant un géant, ils sont là à ne rien faire. Alors que Goliath s'élève pour insulter le nom de l'Éternel des armées. Alors tu as reçu un esprit, et non pas de peur, ni de crainte, mais un esprit de force. Et le courage qui te pousse à dire Abba Père. L'homme s'élève, ce Goliath s'élève. Il dit, c'est moi le plus fort. C'est moi qui domine sur vous. N'êtes-vous pas esclaves de Saoul? Ne suis-je pas le plus fort de Philistins? Allez, aujourd'hui, en vraiment une personne. L'ennemi est sûr de lui. L'ennemi parle. Dieu se demande, comme il nous dit, qui va s'élever à la brèche pour intercéder? Qui va s'élever pour prier? Même pour l'église, même pour ta famille, tu regardes des choses qui ne marchent pas. Dieu cherche une personne qui va s'élever à la brèche pour intercéder. Dieu veut agir, Dieu veut se manifester pour ta situation, pour ta famille, pour tes enfants, pour l'église. Mais Dieu cherche une personne qui va se tenir à la brèche pour intercéder afin que Dieu éclate sa gloire. Ce matin, mon Dieu cherche, aimé. Il règne sur toi, Goliath. Il domine sur ta vie. Il insulte même ton Dieu. Où est son Dieu? Il prie matin, midi, soir.
tout le temps à l'église. Mais pourquoi sa vie ne change pas? Des fois, tu entends des paroles qui te découragent. Ça, c'est un géant. Sa stratégie te décourager, t'affaiblir. Mais l'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de peur. Mais c'est de s'élever et de dire à ma père, pour toi, je ne m'éteirai pas. Pour toi, je m'élèverai. Pour ma famille, je m'élèverai. Pour mes enfants, je m'élèverai. Pour l'église, je m'élèverai. Afin que la gloire de Dieu s'éclate. Pour qui a dit Amen. Amen. Voilà que là, plutôt, David va s'élever. Il entend un homme qui insulte le Dieu d'Israël. Il demande, mais qui est cet homme-là qui insulte le Dieu d'Israël? Même il appelle un incirconcis. Et mais c'est qui un incirconcis? C'est lui qui n'a pas d'alliance avec Dieu. C'est un incirconcis. Mais toi, tu es, alléluia, toi, tu es avec Dieu en alliance. Tu es incirconcis, tu es l'enfant de la promesse, et l'enfant de la promesse n'a peur de rien. Même dans ta vie, il y a des choses qui arrivent, tu vas croire au Dieu de ton salut, ton rédempteur qui est vivant, il va s'élever le dernier. Un enfant de la promesse ne regarde pas les situations comme tout le monde regarde, mais il croit, il espère à son Dieu, car sa demeure est solide, il est assis sur le roc. Que ta foi soit assise sur le roc. Que tes pensées, ta vie soit assise sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire, la pierre que le monde a rejetée et qui est devenue la principale de l'angle pour ta délivrance, pour ta guérison, pour que ta vie soit transformée. Appuie-toi sur Jésus. Dieu cherche même une personne pour renverser le géant. Il cherche. À la brèche. Tout le monde regarde, hein? Il faut que celui-là, il faut que ma soeur prie, il faut que mon frère prie. Non, ce matin, Dieu te dit, c'est à toi de t'élever pour renverser, abattre dans ta maison, ta famille et dans l'église les géants. Amen. Ok, a dit Amen. Amen. Tu manques la paix, tu manques la joie. Mais l'ennemi est là, tu as peur. Mais tu as reçu le Saint-Esprit en toi. Tu es rempli en toi du Saint-Esprit. Tu es conduit bien par l'Esprit Saint en toi. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu n'es pas sûr de toi? Voilà pourquoi David s'est souvenu des victoires qu'il avait remportées dans le secret, en forêt, devant l'ours, devant les lions. Il dit aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de prouver à cet incirconcis que le Dieu que je sers est un Dieu puissant. Le Dieu qui m'avait accordé la victoire dans le secret, ce même Dieu m'accordera encore la victoire en public. Amen. Dans ta vie, Dieu a fait beaucoup de choses en secret. Tu étais malade, il t'a guéri. Tu as fait un accident, il t'a épargné. Amen. Les gens avec qui tu es né, il y en a qui sont morts. Amen. Tu as demandé à Dieu beaucoup de choses, il te l'a accordé. Mais cette victoire-là que tu as reçue en secret avec Dieu, que cela t'encourage, que quand tu seras devant une grande situation, souviens-toi de toutes les victoires que Dieu t'avait accordées. Même si pour toi ça paraît petit, mais souviens-toi que ce Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il s'appelle Yehoshua HaMashiach. Oh, j'aime ce Dieu-là. Des fois, on dit, pour qu'on croit en Dieu, il faut qu'on voit des grandes choses. Mais David s'est souvenu. Il a dit, oh, quand j'étais en forêt, et que l'ours venait, et que les lions venaient pour ravir, pour attaquer une bête, je courais derrière. J'arrachais, j'ouvrais la gueule de la lion et j'arrachais la bête de la gueule des lions. Ce même Dieu en qui j'ai reçu le Saint-Esprit, l'esprit de force, l'esprit de courage, l'esprit de vérité, marchera avec moi. Voilà pourquoi il dit à Goliath, toi Goliath, tu viens devant moi avec des javelots, avec des lances, mais moi je suis main vide quand je ne suis pas seul. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en toi. Celui qui est en moi est plus fort que les armes que tu as. Celui qui est en moi est plus fort que la taille. Je n'ai pas peur de ta taille parce que celui qui est en moi est plus puissant, est plus fort, est beaucoup plus géant que toi. Il dit, je viens devant toi au nom
des armées qui ne dorment ni ne sommeillent. Bien, tu veux abattre les géants, marche au nom de l'Éternel des armées. Même si les médecins ont dit, les avocats ont dit, la famille a dit, le géant a dit, il te fait manquer la paix matin, midi, soir. L'heure est arrivée, toi, enfant de Dieu, de t'élever, de faire un choix. La vie est faite de choix. Soit tu fais le choix d'accepter d'être dominé par l'ennemi, ou tu fais le choix de t'élever et de lui dire que je ne suis pas seul, je marche avec l'Éternel, les armées. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, même si le monde se réunit, les armées se réunissent, pour toi, Dieu est prêt à glorifier son nom. Et soyez ensemble. Tu as reçu un esprit de force, de victoire, de puissance et non de timidité. Tu te laisses abattre par les, ce que tu as reçu comme information. Le médecin a dit, tu dis alléluia. Ce médecin m'a dit, c'est un spécialiste. Quand comme ils ont dit, dans ma vie restera comme ça, il n'y a plus d'espoir. C'est que tu as fait le choix d'être dominé par le géant. Mais ce matin, je parle à une personne qui refuse d'être dominée par les géants et qui va s'élever afin que sa vie change. Amen. Que son statut change. Amen. Et cela ensemble. Amen. Sois déterminé. Sois positif. Dis-moi, il y a des gens, il a conduit un premier fiancé qui lui a à la fin dit non. Un deuxième est venu, qui est parti. Un troisième est venu, il est parti. Et la sœur fait un choix de se résigner, de dire que non, je pense que Dieu ne m'aime pas, c'est que le mariage n'est pas pour moi. Oh, tu vas chercher des choses, des solutions ailleurs, des liens de blocage dans ta vie. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas oublié. Si deux ou trois sont passés, c'est que ce n'était pas les hommes que Dieu avait prévu pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura un homme que Dieu a préparé pour toi, qui connaît ta valeur, qui connaît ta qualité. Et quand il va te prendre, il te prendra comme son bébé. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ruth était mariée. Ruth n'était pas célibataire. Mais son mari était mort. Mais elle n'a pas perdu espoir. La vie est faite de choix. Fais le choix de la qualité. Fais le choix d'être positif. Fais le choix d'avancer. Même maintenant, ça ne marche pas. Mais avec Dieu, je fais le choix d'avancer. Ruth a fait le choix d'avancer. Elle va s'attacher à Naomi. Elle va dire à Naomi. Naomi lui dira, tu es ma belle-fille. Je t'aime beaucoup. Je suis devenue vieille. Je ne pourrai plus avoir d'enfants afin que tu puisses l'épouser. Et même si j'ai des enfants maintenant, regarde l'âge que tu as. À quelle année l'enfant va grandir pour qu'il te marie? Reste chez toi. Reste chez toi. Moi, je m'en vais chez moi. Mais écoute, la femme qui a fait le choix d'être positive, qui a fait le choix de s'approcher au Dieu de Naomi, écoute sa réponse. Il dit, Naomi, je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Oh, j'aime de telles femmes, de telles personnes qui font le choix d'avancer. Amen. Mais fais le choix d'avancer. Amen. Même maintenant, tu as échoué, fais le choix d'avancer. Même tu as perdu ce que tu avais d'important, fais le choix d'avancer. Oh, sois pas une personne qui est là, qui se résigne, qui est sous le poids de la situation, qui est sous le poids de la maladie, qui est sous le poids de ce monde. On t'a dit que le permis est compliqué. Tu dis, pasteur, en tout cas, je pense mon dossier tel qu'il est là, c'est fini. Tel qu'il est là, c'est foutu. Je ne vaux plus rien. En tout cas, l'Europe n'est pas pour moi. Je te dis, fais le choix d'avancer. Amen. Je te dis, fais le choix d'avancer. Sois positif. Pour toi, Dieu peut même changer la loi d'un pays rien que pour toi. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Amen. Je dis, alléluia. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Toi qui es enfant de Dieu, tu as un Dieu puissant. Il est même tout puissant. Il contrôle le monde entier dans sa main. Pourquoi tu fais le choix
d'être rabattu, d'être rabaissé. Tenez, si maintenant tu me montres un tableau de Picasso, je peux le négliger. Je ne connais pas la valeur d'un tableau. Picasso, c'est quoi pour moi? Pour moi, d'abord, c'est un dessin. Je trouve ça bizarre, c'est un dessin. Et Picasso. Alors, ce sont les meilleures peintures, les meilleurs tableaux du monde, parmi les meilleurs peintres, il y a Picasso. Mais quand je vois ces dessins, je vois que ça n'a pas de forme. Mais le fait que c'est signé par Picasso, ça a de la valeur. Donc, il connaît la valeur d'un tableau. Il va les chouchouter. Il va les cajoler. Et on les tient avec des gants. Amen. Bien-aimé, il y a un homme qui te connaît, qui connaît ta valeur, qui te tient précieusement avec des gants, afin que tu ne tombes pas, afin que tu ne choues pas. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il connaît ta valeur. Il connaît ta destinée. Il connaît qui tu es. Il connaît où te mettre. Et il connaît où il va te conduire. Il te conduira au bon port. Même ce port-là, tu ne le connais pas. Mais tu es dans le navire qui s'appelle Jésus-Christ. Il va te conduire au port désiré, au bon port. Et tu diras, Jésus est Seigneur. Amen, amen. Oh, j'aime ces dieux-là. Église, enfant de Dieu, fais le choix d'avancer. Fais le choix d'aller de l'avant. Même si le monde te présente l'échec, même s'il y a un géant qui te fait manquer la joie, matin, midi, soir, mais dis à ce géant-là, il faut parler. La vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Enfant de Dieu, on ne parle pas. Dieu a dit, ne tue pas Dieu. Mais pourquoi tu meurs comme tout le monde? Nous mourons comme tout le monde parce que des fois nous ignorons notre valeur. Nous voulons que les gens nous disent que tu es belle, que tu es beau, que tu es meilleur. N'attends pas que les hommes te disent ça. Même si maintenant ils te disent ça, ils ont un intérêt. Quand demain il n'y aura plus l'intérêt, ils te diront aux enfants Moutou. Amen. Ils diront non, pas toi. Lui, il ne connaît pas. Ils verront tes erreurs. Ils verront tes fautes. Ils verront ce qui te faiblesse. Mais toi, fais le choix. Que même si le monde me désapprouve, pourvu que Dieu m'agrée. Pourvu que Dieu m'agrée. J'aime bien les quinois quand ils disent, jette-moi, abandonne-moi, pourvu que je tombe entre les mains de Jésus. Parce que si tu tombes entre les mains de Jésus, il va te prendre, il va te remettre dans une deuxième dimension et tu verras la gloire de la deuxième maison. Parce que quand Jésus redresse, ce n'est pas pour corriger, ce n'est pas pour réparer, mais c'est pour recréer. Amen. Ce matin, que Dieu recrée ta situation. Qu'il recrée ta vie. Qu'il recrée nos problèmes. Là où c'était courbé, qu'il redresse. Là où c'était mort en ce mois de mars, vit la résurrection au nom de Jésus-Christ. J'aime ces dieux-là. Je ne suis pas de ceux-là qui acceptent les défaites. Mais de ceux qui se battent comme David, je viens devant toi. Toi situation, toi maladie, toi chômage, toi blocage, toi malédiction, toi limitation, je viens devant toi, pas moi seul, pas avec mon expérience, je ne suis rien, je suis faible, je ne suis pas, je ne sais pas qui, mais je connais le Dieu qui m'a appelé, je connais le Dieu que j'ai choisi, le Dieu que je sers, il est tout puissant. L'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, je vais marcher avec lui. Et si je marche avec lui, la victoire est certaine. Amen. Voilà pourquoi Moïse, au désert, quand Dieu va lui dire, marche avec un ange, l'ange va t'accompagner. Moïse dit, Éternel, si toi-même ne marches pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Parce qu'il savait que devant lui, il y avait les Jébusiens, il y avait les Héviens, il y avait les Cananéens, il y avait les Phérésiens, il y avait les géants enfants d'Anak, il y avait Goliath. Et si Dieu marche avec eux, il va les disperser. Bakopakata. Il va les disperser et ils vont marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Parce que Dieu ne voudra pas que son nom soit maltraité. Que son nom soit bafoué, il va donner gloire à son nom. Et là, tu as un Dieu puissant. Dis, j'ai un Dieu puissant. Oh, dis, j'ai un Dieu vivant. Oh, dis, j'ai un Dieu qui m'aime. Même si ça ne marche pas maintenant, il m'aime. Ça marchera.
Ekosimba. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai mis donc mes tapis dans la poitrine. J'ai un Dieu puissant. Amen. J'ai un Dieu puissant. Je tape la poitrine, je le connais. Amen. C'est question de temps. Car Dieu n'agit jamais avant. Amen. Dieu n'agit jamais en retard. Mais Dieu agit au moment favorable. Et ce moment ne dépend pas de toi, ni des hommes. Même les gens disent, on verra, Togota, on verra. Laisse-les qu'ils me voient. Même s'ils ne voient encore rien, je sais que mon Dieu n'agit jamais avant, jamais en retard, mais au moment favorable. C'est un Dieu qui agit, non pas d'après le temps chronos, mais d'après le temps kairos, d'après sa saison. D'ailleurs, c'est ta saison. Amen. Oh, reçois, c'est ta saison. Je dis, reçois ton miracle, c'est ta saison. C'est le temps où Dieu a décidé de te visiter. Mais seulement lève-toi, comme David devant Goliath, il n'a pas eu peur. Car l'esprit qu'il a reçu n'est pas l'esprit de peur, ni de timidité, ni d'intimidation. Yes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. David s'est rappelé de l'onction qu'il avait reçue. Il avait reçu l'onction. Mais Goliath n'a pas l'onction. Est-ce que l'ensemble? David avait l'onction. Mais le géant n'a pas l'onction. Mais si tu as en toi l'onction, l'onction attire la bénédiction. L'onction attire le miracle. L'onction attire la guérison. L'onction attire la faveur. Même ce qui était éloigné, l'onction va attirer vers toi. Même le mariage qui était loin de toi, Dieu va attirer l'homme. Il va attirer le mariage vers toi. Même le travail qui était quelque part bloqué, Dieu va t'amener vers ce travail-là. Car l'onction qu'on a reçue, c'est une onction qui attire des choses devant nous, qui attire la beauté. Tu dis, je suis déjà vieille, tu regardes dans le miroir, l'âge est avancé, tu vois des fils de guitare dans sur le visage. Yaya, n'aie pas peur, l'onction rajeunit. L'onction rajeunit. L'onction donne la puissance. L'onction qualifie. Yaya, l'onction a qualifié David devant Goliath. N'aie pas peur. Pourquoi as-tu peur? Mais quelques clés, j'ai dans ce matin. Il y a trois clés pour abattre, pour vaincre Goliath. Un champion est décidé face à ce qui paraît impossible. Un champion est décidé face à toute situation que lui voit impossible ou que les autres voient impossible, mais il est décidé de changer la situation, pas seul, mais avec l'Éternel des armées. Heureux l'homme qui marche en compagnie de Dieu Tout-Puissant. Heureux la personne qui a choisi l'Éternel comme Dieu. Amen. Marche avec lui et soit décidé. Sois déterminé face à des situations qui te paraissent impossibles. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Lisons Romains 8, 37. Romains 8, 37. Romains 8, 37 nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par qui? Par celui qui nous a aimés. Le champion est décidé, parce qu'il s'est mis dans toutes ces choses, devant Goliath, devant les géants, devant la maladie, devant la tribulation, devant la persécution, devant le blocage, devant toutes les situations qui vient combattre ma vie, et à toi en tête. Retiens ça. Souligne ça bien. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui t'a aimé? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui t'a aimé le premier. Et comme il t'a aimé le premier, il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il a dit, je serai avec vous tous les
jours jusqu'à la fin des temps. Du janvier au décembre, du lundi au dimanche, de 6h à 6h à minuit, il sera avec toi, le jour comme la nuit. Et ça en tête. Deuxième clé pour abattre les géants. Le champion, il est différent parce qu'il voit les enjeux qui sont invisibles. Oh, j'aime ce Dieu-là. Le champion voit ce qui est caché derrière une victoire. Le champion voit ce qui est caché derrière le blocage, la tribulation. Et l'autre fois, j'ai dit, dans tout ce qui est dans ta vie, il y a un enseignement. Dans tout ce qui se passe dans ta vie, mais derrière ça, toi, enfant de Dieu, si tu le cherches, il te montrera pourquoi tu vis ça. Comment on pouvait connaître David sans qu'il n'ait renversé Goliath? On est ensemble. Amen. Le champion est différent parce qu'il voit les enjeux, ce qui est caché, l'invisible après Goliath. Goliath était comme une montagne qui cachait son élévation. On est ensemble. Amen. Goliath était une montagne. Il était un géant. Il empêchait à tout le monde de voir ce qui se cachait derrière lui. Donc il fallait le terrasser. Il fallait le renverser. Il fallait le tuer pour voir l'invisible, ce qui se cache derrière la victoire après qu'il soit tué. Comment le monde peut connaître David s'il n'arrive pas à renverser Goliath? Dieu a permis ça. Pour ta vie, une fois, Dieu permet des situations pour te tester, pour voir à quel niveau tu es fort. Alléluia. Amen. Des fois, Dieu dans ta vie permettra des choses qui t'arrivent, avec là, aucune preuve ne peut être plus grande que notre force. Toute épreuve, c'est au niveau de la force. Tu connais ta force. Il ne peut pas faire une grande épreuve qui va te détruire. Aucune épreuve, nous dit la Bible, ne peut dépasser ta force. Et derrière l'épreuve, il y a la victoire. Tu ne peux jamais passer dans une classe supérieure sans passer par une épreuve, sans passer par un examen. Ou qui a dit amen. Les jeunes ont dit, pasteur, on a examen. Pasteur, je ne peux pas être à l'église. Pasteur, je ne pourrais pas. J'ai examen. Oui, il faut se préparer à l'épreuve, à l'examen, pour accéder à un niveau supérieur. Et le champion ne voit pas seulement le géant. Il voit ce qui est caché dans le géant. Parce que David, quand il va tuer Goliath, c'est là que tout le monde va demander de qui es-tu le fils? C'est le fils de qui cet homme-là? Alors qu'en réalité, Saoul connaissait bien David. David a vécu une fois dans la maison de Saoul. Quand il était fou, c'est David qui chantait la guitare pour que les démons libèrent Saoul. Mais le jour-là, quand David va remporter la victoire, il va demander de qui est-il fils? Moi, Nana Moutouyou. Et là, des fois, il faut passer des preuves pour qu'on demande, c'est cette maman-là ou c'est pas elle? C'est ce frère-là ou c'est pas elle? Mais ce frère, c'est lui ou c'est pas lui? Mais on a vu sa vie. On a vu comment on s'est moqué de lui. On a pris le frère qui porte la chemise rouge. C'est ce frère-là qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Oui, passe par les épreuves. Amen. Que le monde te qualifie. Que le monde t'identifie. Que le monde puisse te mettre dans une catégorie. Ce n'est pas grave. Mais derrière l'épreuve, quand tu vas vaincre le géant, la gloire va t'accompagner. Et quand David va tuer Goliath, surtout les femmes, Sogi. David a tué 10 000, Saoul a tué 1000. David a tué 10 000, Saoul a tué 1000. Les gens vont commencer à chanter en faveur de David quand David a décidé de renverser Goliath. D'ailleurs, ta vie va changer, ton cas va changer quand tu vas te décider à combattre avec Dieu Tout-Puissant. Et regarde ce qui se cache derrière le combat. Lisons dans 1 Samuel 17:32. 1 Samuel 17:32. Pour les choses, c'est Jésus. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il nous a aimés. 1 Samuel 17:32. Alléluia. Ce Dieu est bon. Alléluia.
dit au nom de Jésus-Christ. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Oh, qui a dit Amen. Amen. Au verset 26, reculons à 1 Samuel 17, 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le propre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Amen. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on fera à celui qui va tuer Goliath? La Bible déclare, il deviendra le gendre du roi. Dieu va effacer ses dettes. Sa famille sera affranchie. Voilà ce qui attend David. Ce qui attend, c'est lui qui va vaincre le géant. Il y a une récompense. Il deviendra le beau-fils du roi. Le roi va effacer toutes ses dettes. Le peuple savait que si tu vas vaincre David, le roi va te donner sa fille en mariage. Tout le monde le savait. Ta famille ne sera plus esclave. S'il y avait en vous des dettes, Dieu va effacer les dettes. Tout le peuple le savait, mais ils étaient incapables d'attaquer Goliath. Et quand David, qui voyait l'invisible après Goliath, il leur demande, quelle récompense va-t-on recevoir? On lui dit, tu seras gendre du roi. Les dettes seront effacées et ta famille sera affranchie. David dit, c'est l'opportunité ou jamais. Mais devant toute oppression, devant tout géant, il y a des opportunités invisibles. Si tu combats et tu réussis à le vaincre, tu le verras. Amen. Tu ne verras pas ça avant le combat. Voilà pourquoi Dieu dit, même si David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que après la traversée de la vallée de l'ombre de la mort, Dieu va dresser une table en face de ses ennemis et sa coupe va déborder. Dieu dresse la table où? Pas avant la vallée, pas dans la vallée, mais c'est après que tu auras affranchi la vallée que tu verras une table que Dieu dresse pour toi. Ce matin, sois décidé, sois déterminé avec le géant. Tout ce qui dérange ta vie, qui combat ta vie, c'est alors que Dieu va dresser pour toi une table en face de tes adversaires. Pas avant. Et David a compris ça. Ah d'accord, donc je serai le gendre du roi. Quelle opportunité. Et pas seulement ça, le fait qu'il va tuer Goliath, ça va lui permettre d'accéder au trône. Il va passer de l'anonymat. Il va passer de l'inconnu. D'un simple berger qui sentait mauvais, qui pour passer au trône comme roi en Israël. Mais quand? Après qu'il ait décidé de vaincre Goliath. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Troisième clé pour abattre et renverser les géants. Le champion est debout dans tout ce qui semble de moindre importance. Le champion est debout dans tout ce qui semble de moindre importance. Yaya, dans la vie, il ne faut pas négliger toutes les victoires que tu as avec ton Dieu. Tu as reçu la victoire d'une maladie, ne néglige pas ça. Tu as reçu une délivrance dans un accident, Dieu t'a épargné, ne néglige pas ça. Le champion ne néglige pas tout ce qu'il vit, même si c'est de moindre importance pour lui, il le garde comme un souvenir. Quand vont arriver des situations compliquées, il va se référer à toutes les victoires antérieures. Et ça va lui encourager à persévérer, à être l'enfant, à avoir la victoire devant les situations les plus puissantes devant lui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et une chose que le champion doit avoir en tête, il ne vit pas par rapport à la vue. Si tu vis
seras écrasé. Tu seras étouffé. Lisons au verset 1 Samuel, toujours 17, au verset 24. Ne vis pas par rapport à la vue. Ne vis pas par rapport à ce que tu vois. Le but de l'ennemi, bien aimé, on a vu comment on a décrit Goliath, sa taille, ses armes, de quelle dimension. Et tout le monde voyait ça, mais David voyait autre chose. 1 Samuel 17 au verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Est-ce qu'on est ensemble? Ces gens vivaient par rapport à la vue. Quand ils voient, mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que le monde te présente? Qu'est-ce que la famille te présente? Qu'est-ce que les hommes te présentent? Tu vois, quand tu regardes le miroir, ta santé est fanée. Tu vois un visage moche. Tu vois des rides. Qu'est-ce que tu vois? Ce peuple a la vue, à la vue. La vue peut te décourager. Tes yeux peuvent te décourager. Peuvent être pour toi un obstacle. Et souvent les yeux vont agrandir comme une loupe. Tu vois comme, non, ça, non, je ne crois pas que je réussirai. Mais ne vis pas par rapport à la vue. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu regardes le miroir, tu regardes le monde, tu regardes tes voisins, tu as les opportunités, tu regardes tes copines, ils évoluent, ils réussissent à la vue. Tu dis, moi, je pense que Dieu ne me promet pas. Mais pourquoi je jeûne? Lui ne jeûne même pas, lui ne prie même pas. Mais regarde, sa vie est en paix, sa maison est en paix. Parce que tu vois. Ne vois pas ce que le monde te présente, mais toi, vis par la foi. Crois en ton Dieu. Appuie-toi à ton Dieu. Espère à ton Dieu. Demeure sur le roc. Celui qui demeure sur le roc qui est Jésus, ne trébuche pas, ne tombe pas, ne chancelle pas, car sa demeure est solide. Ok, on dit amen. Le champion voit l'invisible et il prend la décision face à ce qui paraît impossible. David voyait cela, c'est ce qui a déterminé sa décision. Au-delà de la vue, il y a l'essentiel. Il se dit, ah, tout le monde voit Goliath, mais moi je vois ce qui est derrière Goliath. C'est le mariage. Je serai appelé gendre du roi. Les dettes seront effacées. C'est quoi les dettes? Tout ce qui bloque ta vie, toutes les condamnations passées, même de ta famille, les lois établies, tout ce qui concerne ton passé sera effacé. Même les gens t'ont dit, ah, mais celle-là, on la connaît. Dans leur famille, dans leur vie, ils ne réussissent jamais. Ce sont les dettes passées. Et Dieu va effacer les dettes passées. Amen. Amen. Et les taxes dans ta famille seront effacées. C'est quoi les taxes? Des choses que les gens peuvent dire. Ton avenir qui était détruite, qui était désespéré, les taxes seront affranchies. Dieu va enlever tout ce qui peut condamner ta vie. Et passé et futur, si tu arrives à dominer, à vaincre dans ta vie toutes les situations impossibles que j'appelle les géants. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vois plutôt. Aucune preuve ne peut dépasser ta force. Dieu savait que David, on le voyait petit, mais il était capable de vaincre Goliath. Est-ce qu'on est ensemble? Décide-toi d'avancer, malgré les combats. Malgré la vue, malgré ce que tu ressens maintenant, mais ne vis pas d'après ce que tu vois, mais vis d'après la foi. L'homme spirituel vit d'après la foi. Et à tes résolutions répondra le succès. Est-ce qu'on est ensemble? Et tu veux évoluer? Abandonne la culpabilité. Ah, je crois que ma vie ne marche pas à cause de tes péchés. À cause de ça, tu vis par le passé. La déclare, si tu feras vaincre Goliath, les dettes seront effacées. Ton passé sera effacé. Tes taxes seront annulées. Il n'y aura ni condamnation, mais Dieu va t'accueillir. Dieu va t'accepter. Dieu va marcher avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais si tu vis d'après ces trois clés, tu vas renverser, tu vas abattre tous les Goliaths de ta vie. Quel qu'il soit, tu vas les renverser. Première clé, donc j'ai dit que le champion est déterminé, il est décidé face à ce qu'il voit et il ne recule pas.
David n'a pas reculé. Il était le premier à faire le pas devant Goliath. Toi, sois le premier à faire le pas. À ne pas être résigné, à ne pas être résilié, à attendre que les choses arrivent. Ça n'arrivera pas. Toi-même, lève-toi. Est-ce qu'on est ensemble? Le champion voit l'invisible. Tout le monde voit le présent, lui voit le futur. Ça, c'est le champion. Le champion ne vit pas d'après la vue, mais d'après la foi. Et c'est celui qui est en lui est plus fort. Est-ce qu'on est ensemble? Tu me décides de toi de dire que je ne veux pas parler de la victoire des autres, mais moi-même, je veux expérimenter ma propre victoire. D'autres ont témoigné. Yaya. Alléluia, amen. J'étais malade, Dieu m'a guéri. Tu es là pour acclamer les autres. Alléluia, amen. J'ai connu ceci, Dieu m'a transformé. Tu acclames. Mais l'heure est arrivée que toi, tu sois champion. Toi-même, tu es ton propre témoignage et que d'autres aussi acclament. Témoigne que le Dieu que tu sers est un Dieu puissant et vivant. Tu n'es pas dans ce monde pour accompagner les autres, mais tu es l'acteur de ta propre vie. Tu es l'acteur de ta propre situation. Et si tu te décides avec Dieu, les choses vont bouger. L'heure est arrivée de refuser. Non, je ne veux pas subir la vie, mais je dois vivre la vie. Je ne veux pas subir des situations, mais je dois changer des situations. Sois la solution, mais ne sois pas le problème. Je dis sois la solution, mais pas le problème. Car Dieu a des solutions qui cherchent des problèmes. Toi, amène vers lui tes problèmes. Décide-toi. Et les géants dans ma vie vont tomber. Je veux témoigner ma propre victoire. Il faut de l'action. Il faut poser des actes. Avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais quels sont tes géants? C'est à la vue de quoi où tu es déçu? C'est à la vue de quoi? Quels sont ces géants comme Goliath qui se levait matin, midi, soir pour combattre Israël? Quels sont ces géants dans ta vie, dans ta famille? C'est la maladie, bien aimée. Matin, midi, soir avec douleur. Le soir, tu pleures. C'est un géant, Yaya. C'est un géant. Décide-toi de dire aujourd'hui, il faut que ma vie change. Trop, c'est trop. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour voir les médecins. Il y a un temps aussi pour glorifier et élever le nom de l'Éternel. Témoigner ton propre témoignage. Pas seulement entendre d'autres et tu es là pour acclamer. Tu dois vivre ta vie. Amen. Et tu peux aussi, avec ce Dieu-là, changer ta situation. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le géant, je dis, ce n'est pas seulement le physique, c'est aussi les situations qui enlèvent la paix dans nos vies. Qui nous tourmente, avec lesquels nous vivons. Comme Naaman. On voyait Naaman, un général d'armée, bien habillé avec une tenue. Il donne des ordres. Mais sous sa tenue, il avait la lèpre. C'était pour lui un géant qui était avec lui matin, midi, soir. Mais le jour où on lui a dit, général, il y a un prophète en Israël. Si tu vas le consulter, ta lèpre va finir. Et quand il est parti voir le Dieu d'Israël, sa lèpre n'a plus faim. Il a décidé un jour. La vie est faite de choix. Mais fait le choix d'avancer avec Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.